Une terrasse en plein cœur de Ballan, avec vue imprenable sur l'église Saint-Venant, c'est le petit plus du Balatédo. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour Stéphane Lejot quand il a repris ce bar il y a 3 ans. A l'origine, ce bistrot de 30 mètres carrés n'en possédait aucune. Il demande alors au maire de l'époque, Laurent Baumel, l'autorisation de créer une terrasse permanente. La réponse est oui, un arrêté municipal est pris et Stéphane Lejot investit 30 000 euros pour cette structure en aluminium et bâche qui double la surface de son bar. Aujourd'hui, en proie à des difficultés financières, Stéphane Lejot doit revendre son commerce. Mais surprise, il doit raser sa terrasse car elle n'a jamais été validée par l'architecte des bâtiments de France. C'est l'incompréhension, c'est l'injustice par rapport à tout l'investissement que j'ai laissé dans cette affaire, puisque j'ai investi pécuniairement et puis investi aussi de ma personne, puisque j'ai développé ce commerce en y laissant beaucoup de sueur, près de 100 heures par semaine, en travaillant du lundi au samedi. Le député socialiste Laurent Baumel, maire de la commune en 2012, a en effet fait le choix, malgré l'avis contraire des bâtiments de France, d'autoriser la construction de cette terrasse pour, dit-il, aider un commerçant et dynamiser le centre-ville. Moi, je ne regrette rien et j'assume totalement le fait d'avoir privilégié à un moment donné un raisonnement économique et commercial d'animation, de vie du bourg, au pointillisme juridique. Je n'ai menti à personne. Je suis intervenu au niveau des services de la hiérarchie de l'État au niveau régional. Et ce que j'ai obtenu, c'est une promesse verbale que l'architecte des bâtiments de France n'entraverait pas la transaction. Alors pourquoi refuser à Stéphane Lejot de vendre son bar? Réponse du nouveau maire, tout doit être fait dans les règles et la légalité. C'est comme quand on construit une maison, il y a une demande de permis de construire à effectuer. Je ne peux pas malheureusement délivrer le moindre document sans avoir une déclaration, une demande préalable. Maintenant, si effectivement dans le traitement de cette demande, il y avait un souci particulier qui se présentait, nous l'étudierons à ce moment-là. Par contre, il faut respecter la loi et le formalisme imposé. C'est une question d'équité et de légalité. Déjà obligé de brader son commerce pour cause de liquidation judiciaire, Stéphane Lejot avait pourtant trouvé un acquéreur. Mais il ne compte pas baisser les bras. Un pot commun a d'ailleurs été mis en place pour récolter de l'argent afin de consulter un avocat spécialisé.